Bienvenue, jeune Cafardinos, qui va apprécier ce contenu exceptionnel que nous propose Vitality, une masterclass sur Vertigo que je n'ai pas vue, mais qu'on va analyser donc en direct au fur et à mesure. On va découvrir pourquoi, quelles ont été les forces, les faiblesses un petit peu qui leur ont permis d'écraser Complexity 16-3 sur Vertigo, une map que je n'ai pas l'habitude d'analyser parce que en général elle est très peu jouée, même si Vitality historiquement sont très bons. Dans la description, les frérots, mon lien Skin Baron, tous les frérots qui achètent des skins, passez par là, je touche une commission, et mon site internet pour votre matos. Petite cerise sur le gâteau, on est en 16-9ème, on est beau gosse aujourd'hui, donc mettez des likes. Voilà, c'est normalement, il n'y a rien pour vous parasiter un petit peu le visuel de l'overlay. Donc on est sur Vertigo, une map comme je le dis historiquement très très forte de chez Vitality, mais quand même, ils n'ont pas eu de très bons résultats ces derniers temps. Je rappelle qu'on revient du player break, grosse compétition, ESL Pro League, ce sont les phases finales de l'ESL Pro League. Donc match très important, éliminatoire pour ceux qui ne le savent pas. BO3 contre Complexity qui est très en forme. Et on voit ce que ça donne. On commence en défense, on commence en CT. Et Kyojin a fait un gros match. Au niveau des statistiques, il a fait un gros match. On va essayer de voir un petit peu ce que va nous proposer tout ça. Donc là déjà, on voit que ça commence à aller à 4 en A. 4 en A, 1 B, grosse prise sur une flash d'Apex. On dépose un mec voilà, qui vient, qui pique, etc. On a déposé un mec jaune, un qui bait en Mizuta, on est trop bien. Derrière, on se réorganise avec Apex parce qu'il a du stuff, comme vous pouvez voir, petite flash et tout. On se réorganise coup d'épaule tranquillement avec flash pick pour le mid s'il faut, flash pick pour le B s'il faut, et flash pick voilà, pour revenir sur le A dans la pente. Voilà. Et on a Poison qui éclate la gueule de Mizuta. On est en 4v4 désormais. Parce que Shox a réussi à faire un refrag en A. Ça déclenche. Apex, Shox, ça reprend. Petite flash pick. C'est une flash un peu nulle. Hein. Ne reprenez pas ce repère, s'il vous plaît. 3v3, on est bien. Parce qu'en vrai de vrai, Kyojin reprend, fait un bon kill. Et surtout, on deny le plant de fou, ça fait peur. Donc désormais, on est 2v2 avec Isita Glow HP. Apex, qu'est-ce qu'il rate, Apex? Non, non. Kyojin, tu le mets celui-là. Ziwu, pardon. Oh, c'est Ziwu, c'est gagné. 3, 2, 1, t'es mort. 3-2-1, t'es mort. 3-2-1, t'es mort. 3-2-1, t'es mort. Voilà, je le savais que ça allait arriver. Au bout de la troisième fois, j'avais 203, tranquille. Par contre, Apex, il a bien chicha le mec là, sur le VP. On va pas se le cacher. Beau pistol de la part de Vitality. Comme on peut voir, de la mobilité. Le choix de positionner des gens de manière agressive au niveau du A. D'accord. Donc, au niveau du A. Elle est moche la carte, hein. Ça va être dur d'ouvrir la carte et de vous montrer des choses. On va pas se le cacher les amis. Parce que bon, comme il y a deux niveaux de hauteur sur cette carte, c'est très difficile vu que c'est superposé. C'est très difficile de voir ça. Merci Shin pour ton sub mon ami. Venez vous abonner à ma chaîne Twitch les amis. Il y a le September, les subs sont à 3€. Mettez-moi bien. Ziwu qui vend A tranquillement avec Apex. Mizuta qui garde son mid. Voilà, on met la smoke tranquillement. Molo pour deny le jaune au cas où ça veut passer. Petite prise de contrôle calmement. Apex d'excès de l'écho, on connaît. Il est en Air Max. Ça va, il est positionné tranquille. Ça va pouvoir renouveler le stuff pour lui en plus. Ça va, on voit qu'il y a de la prépa. On voit qu'il y a de la prépa, j'aime bien. J'aime bien. Ici, on est deux côtés mid en bait. Hein, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, c'est magnifique, j'aime beaucoup. Donc, on est en 2-2-1. Beaucoup de mobilité, ça bouge dans tous les sens. En A, on est patient côté Complexity, on a forcé, on est patient, on veut reprendre la rampe. Donc comme vous pouvez voir en fait, le côté rose là, ce que vous voyez rose, c'est la rampe en fait, d'accord. Et ça c'est le BPA, c'est le parking du BPA. Ok, c'est le parking là du BPA, le gros mur du BPA. Donc faites très attention. Donc là on peut voir que Ziwu justement, il est au niveau du jaune, il va avoir un contact. Oh la flash pick, oh, j'allais dire il va se faire démolir, il a un HP. Magnifique le timing de la flash d'Apex, super génial. On est 5v4 désormais. Reflash pick de la part d'Apex, mais là cette fois ça a été vu. Mizuta qui arrive à faire un kill, Mizuta qui arrive à en faire deux, c'est propre. Ziwu qui s'est fait surprendre pendant ce temps là au niveau du jaune. Apex un peu trop agressif parce que bon, il restait 21 secondes, mais il voulait apporter du surnombre sur les échanges de kills dans la rampe, c'est normal. Derrière on a Kyojin quand même qui est en fouiné. Est-ce qu'il sera attendu à votre avis? Qui sera attendu?
Ok, on fait un petit kill, bombe à terre, 10 secondes, c'est fini, il a gagné. Parce que JKS doit prendre la bombe, repartir sur le BP. Kyojin, il a une smoke, il jouera passif, il reste 4 secondes, il sait qu'il a pas le temps de fake. Kyojin est bien. Merci, au revoir. La Fouini qui passe bien. Donc là, c'est super important. Encore une fois, là, on peut voir que le round est remporté. Le round est remporté avec beaucoup de mobilité. Belle gestion de la part d'Apex, de regroupement, de flash pick à des bons timings et tout. C'est important de ne pas flasher à 1 minute, mais plutôt à 57 secondes, plutôt à 43 secondes, parce que c'est les moments où, entre guillemets, la gestion de stuff se fade pour les smokes, pour les molos, etc., etc., etc. Donc c'est là où les terreaux vont, entre guillemets, avancer. Et donc là, les flashs vont être le plus efficace. Et là, vous voyez bien que la gestion, en tout cas, elle est quasi parfaite. La connaissance des timings est quasi parfaite sur ce round. Deuxième point que j'adore, c'est la mobilité de toute l'équipe, apporter le surnombre, avoir l'intention de refrag. Et Kyojin, très malin, positionnement très malin. Repositionnement très malin. Donc j'aime beaucoup ce round-là, même si c'est de l'écho. C'est pas très joli, joli. C'est un force buy, on perd 4 armes. Mais c'est pas trop mal non plus. La bombe a pas été plantée, donc on n'a pas de bonus d'argent côté, côté complexity. Nous, on n'est pas bien niveau argent, donc là maintenant, il va falloir pas perdre d'armes. Là, le but vraiment de ce round-là, c'est vraiment de farmer un peu l'économie et de pas perdre plus d'une arme. Voilà, si on en perd deux, c'est pas ouf. Si on en perd trois, c'est une catastrophe. Et quatre, je vous raconte pas. Donc là, on prend la rampe. On voit que Zibou se fait défoncer contre des Glock en plus. Fait 250 Glock. Apex est tout seul. On a essayé un peu de changer de rythme côté complexity et de, entre guillemets, contester un petit peu cette smoke. C'est payant pour eux, ils sont 5v4. Il y a JKS qui a une smoke et une flash. Qu'est-ce que ça va créer, ça? Qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer que Mizuta est venu se repositionner. Shox est tout seul au niveau du mid. Kyojin aide au niveau du boost. Et là, Kyojin, vous voyez, il a l'intention de revenir parce qu'il sait que Apex donne de l'info. Mizuta, il est en train de swinger en plus derrière. On est plutôt bien. Vous voyez, c'est très mobile. Hein. On a pas peur de délaisser le B. Hein. On avait Kyojin qui jouait sur le boost, donc c'est ici, ouais, qui jouait quand même sur le boost avec Shox, et donc d'avoir entre guillemets une visu sur le B en coup d'épaule pour pouvoir retake ensemble contre de l'écho. C'est très important d'essayer de se dézoner de ces zones pour pouvoir apporter du surnombre aux autres, et n'hésitez pas à jouer la retake. Là, principe de base bien respecté, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. 3-0, maîtrise. Attention, l'argent, on n'est pas trop... On est bien, on est bien. C'est du bonus, c'est un round bonus pour nous. Donc on est au MP9, on n'est pas trop mal. Ok, on veut déposer Apex cette fois-ci de manière agressive. Je crois qu'il a été entendu. Ok, c'est bon, il est déposé. La prise de Vitality côté rampe est vraiment clean. Hein. Vraiment très très clean. Côté B, cette fois on est deux. Ça a délaissé le mid à fond. Et vous voyez que Mizuta, il est en coup d'épaule au niveau du mid. Il voit rien. Il va essayer d'y aller tout seul parce que Shox est en appui derrière. Vous voyez bien que la gestion au niveau de la com, les mouvements, beaucoup de mobilité, beaucoup de réactions de la part de Vitality, qui est vraiment très propre. On joue vraiment en binôme, en trinôme. C'est vraiment bien fait. Là, Apex, on peut voir que il a plus de stuff. Dans pas longtemps. Ouh là 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 là. Il voulait faire un flash pick. Il arrive à faire un kill sur Zibou. Et il est obligé de se repositionner. Il a failli être attrapé par la grenade en plus. Mizuta qui a réagi tout de suite pour revenir. Ça, il se fait finir à la HE. Le backup va être très très tard. On est 4 contre 3 hors de position. Ils y vont pas trop rapidement, les terreaux. Et voilà, c'est fini. 4v2. Bon round de la part de Complexity. On va voir un petit peu ce que va nous proposer Kyojin. Gros kill de la part de Kyojin sur le parking. Il vient d'exploser le crâne de JKS. Kyojin, c'était magnifique. Très très important ce que vient de faire Kyojin. Statistiquement, il fait 2 kills, mais surtout il fait beaucoup de dégâts au niveau de l'économie. Parce que 3 armes côté terreau tombées. En plus, la bombe. Oh là 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 là. Il s'est. Shox c'est où le deuxième? Oh, magnifique, magnifique. Il a vu le bout de son canon sortir. Shox. Gros round de la part de Kyojin. Et Shox a de la chance d'être bien positionné comme ça. 1v2. Mais pour moi, Kyojin fait le play du round quand même. Kyojin fait le play du round. Parce que dans tous les cas, même si le round était perdu, c'était 2 armes de tombée. Donc il y avait un impact entre guillemets négatif sur l'économie des terreaux. Et entre guillemets, on aurait pu maintenant les reset et donc les fuck money. Et c'est pour ça que regardez, petite pause des CT. Petite tactique, c'est super important de, même quand on gagne, de faire des pauses un petit peu, de respirer, de voir un petit peu ce qui a été, ce qui n'a pas été. Là, le round, il s'est mal passé. Là, le round s'est mal passé. On aurait dû le perdre, ce round-là. On le gagne à l'exploit individuel.
Donc c'est important de là de faire une petite pause tactique, comme ils sont en train de faire la défense, et de dire bon, qu'est-ce qui s'est mal passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, ok, le timing de la rampe c'est pas trop bien, Apex machin, faut faire ci, Zibo faut faire ça. Donc très mauvais round de la part de Vitality, gros round à l'exploit individuel de la part de Kyojin. Et Shox, le sang-froid 1v2, bon, il a un bon 1v2 quand même. Il est bien placé, il a deux mecs de dos, entre guillemets, qui s'attendent vraiment pas à le voir là. Mais faut les mettre, ces rounds-là. Donc 1v2, l'argent est bien côté CT, surtout que c'est, pour nous c'était un bonus. Et les terreaux, regardez, hein, c'est 0$ de chaque côté. Donc, on va essayer de changer de rythme. Il me semble qu'on va essayer de changer de rythme. Donc là, on a une prise du B au calme et on a agressé le mid. Voilà, on a un changement de rythme. Donc là, la pause c'était changement de rythme. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'ils vont entre guillemets. Oh, c'est magnifique. Oh, masterclass. Masterclass. Stop. Pause. Temps mort. Masterclass de round de Vitality. Pause. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Comme vous avez pu le voir, que ce soit anti-écho, round d'armée, 3 rounds d'affilée, ils font la même routine. La défense, c'est cette smoke au niveau de la rampe. Donc là, qu'est-ce qu'ils font? Et ils la défendent. D'accord? Ils la défendent. Un là. À chaque fois, ils l'ont défendu. Là, qu'est-ce qui se passe? Pause. Les gars, venez, on change de rythme. Parce que quand tu perds des rounds individuellement comme ça, l'exploit et tout, ça fait mal un peu à la tête. Tu vois, tu perds des 4v2 comme ça, avec Kyojin, entre guillemets, qui s'infiltre, Shox qui met le 1v2 qu'il doit pas mettre. Ça fait mal psychologiquement. Donc là, un petit changement de rythme, c'est là où ça cogne. Et donc là, changement de rythme très très bien géré. Grosse masterclass, j'aime beaucoup. Donc on fake cette prise, on fait croire qu'on y est derrière, sauf qu'on n'y est pas, et derrière on s'infiltre middle, on push le mid, on push tout, on est spawn terreau, on est derrière eux, surtout que eux entre guillemets ils vont respecter la smoke, surtout à très haut niveau les gens respectent les smokes, parce qu'on sait pas ce qu'il y a derrière, et quand il y a un mec derrière une smoke en général tu te fais très très vite punir, donc j'aime beaucoup ce round déjà, je sais pas comment ça se passe mais j'aime beaucoup l'idée en tout cas, je suis ravi de l'idée. Voilà, ça part dans tous les sens, j'aime bien. Donc là tout de suite on veut essayer d'accélérer. Parce qu'on voit que c'est la faiblesse côté A, parce que là ils ont agressé un peu partout. On a la bombe à terre, Apex, belle gestion du stuff, grosse grenade dans le cul de BlameF, il a moins 60, c'est fini pour lui. Donc belle gestion de la part d'Apex, en plus qui dézone, qui deny, regardez, smoke, mollo, il renouvelle, donc il bloque ici, il garde que sa ligne à gauche, il le donne, Ziwu qui vient couper les têtes parce que la défense s'est réorganisée, on s'est repositionné en A. On a quand même la bombe à 3 défendable, rune masterclass. Donc l'agression est très très bonne, hein. Mais c'est surtout les timings qu'il faut comprendre, que tu peux pas agresser comme ça si tu les as pas habitués entre guillemets à une routine. Et comme je l'ai dit, Vertigo c'est pas une map que j'ai beaucoup analysée, parce que je trouve que visuellement la carte et tout c'est à vomir quoi. Moi je la comprends tu vois, mais là par exemple je sais pas trop où ils sont sur la carte. Parce qu'il y a des superpositions tu vois, il y a des niveaux de hauteur et tout, donc on sait jamais où sont les mecs. Ouais, et là Zibou, il est... Ouais, ok, il est ici. La Blame, il pourra rien faire. 40 HP, il fait un petit kill déjà, c'est miraculeux. S'il en fait deux, je donne mes couilles. En tout cas, gros round. Gros round. Voilà, hop, merci, au revoir. Va Echo, mon ami le baiter. Le king of bait. Enfin, un des king of bait. Il y a tellement de baiters maintenant sur CS, c'est incroyable. Gros round de la part de Vitality. Donc là, call d'Apex, call de Xtase, à voir. Et la pose d'hétéro, obligé, faut souffler. Là, ça fait mal. Là, 5-0, ça fait mal pour Complexity. Parce que le premier round d'armée aurait dû être acquis de leur côté. Donc celui-là aurait pas du tout eu le même impact, je pense. Mais clairement, là, 5-0, ça fait très très mal. Et surtout, psychologiquement, ils voient qu'ils ne se font pas respecter. Ils se sont fait grave deny au niveau du stuff, très belle gestion, très grosse mobilité et tout de la part de Vitality, tout le temps ils les ont renfermés, et là en plus ils se font changer de rythme, ils se font un peu cabrer dessus sur ce round. Donc gros round de la part de Vitality pour le moment, tout le monde est très fort, grosse gestion d'Apex quand même sur son A, gestion de son stuff, gestion de ses timings, renouvellement de ses smokes et tout, très bon call depuis tout à l'heure, vraiment pas mal. Vraiment. Ok, là ils se refont deny. On a un start à
2 en B, d'accord. Ziwoo qui vient de déposer Kyojin très agressif. Mizuta qui garde son mid tout seul. Shox qui va apporter du surnombre avec, avec Mizuta. Ok, non, il apporte du surnombre à Shox. Attendez, hop, j'ai perdu la carte. Non, il revient mid. Aero tourne mid. C'est pas trop. Mizuta lui dit non, t'inquiète, je suis bien. Non, je suis pas bien. La bombe, elle est ouf, frère. Voilà, renouvellement de smoke, on essaye d'y aller quand il le fade. Il est. Ça fait peur. Eh ouais, mais voilà. Ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur. Et ça, psychologiquement, c'est très très dur. Hein, parce que ces petits runes là, comme ça. Là, par exemple, c'est BlameF qui est armé. Hein, mais là, par exemple, bah, BlameF, vous voyez très bien que ça aurait pu partir. Ça aurait pu partir. Oh, JKS, il vient de terminer, Ziwoo. BlameF là quand il est positionné comme ça ici hein, vous avez vu. Si je sais pas qui était là, je sais pas si c'était Ziwoo ou Apex, mais il aurait très bien pu se prendre un gros one tap et entre guillemets permettre à toute son équipe de pousser un petit peu et donc de les démolir. De démolir un petit peu Ziwoo ou Apex qui restait ici. Et là vous voyez que c'est à partir à l'avantage de Vita. Donc tant mieux pour nous. Mais c'est un peu ça quoi. Voilà, là on veut aller B, mais la prise B est plutôt clean. On se fait boire. Hein. Oh là là, Complexity, ils y sont pas. Apex en plus qui fait un petit kill. Apex qui a fait un kill où? Attendez, faut vite que je me mette sur Apex. Ok, c'est toi qui fait un kill. Il a fait un kill où? Dans la smoke là, je comprends pas où il a fait le kill. Ok, un mec a voulu s'infiltrer encore une fois. Eh, ils sont tenus en respect de ouf. C'est trop trop bien ce qu'est en train de proposer Vitality là. Ça joue bien côté B, côté A. Ils sont cadenassés Complexity. Ça fait mal. Parce que là, trouver des solutions, c'est très très dur. À part, entre guillemets, débloquer les situations à l'exploit individuel. Ça veut dire remporter les duels. C'est compliqué. Shox qui est toujours placé en plus de manière agressive. On est 4v2. Il n'y a pas de filet de sécurité. J'aime pas la visu de Shox, moi. Moi, je vous le dis, j'aime pas du tout. Parce que bah là, il est 2v1. Et Kyojin il a son mid, alors qu'Apex il a son mid, donc en vrai tu vois Kyojin il doit apporter ici, parce qu'Apex, en gros s'il meurt ici Apex c'est pas très grave. Par contre Shox, s'il meurt ça fait tout de suite, on va voir ce qui va se passer. Hein. Ok, Kyojin s'est repositionné, Apex s'est repositionné, ça va, ça va, ça va, ça va. Heureusement que les terreaux tu vois ils sont trop rigoureux, trop disciplinés, et bah, heureusement que Complexity là par exemple, entre guillemets il joue bien, parce que là, ils font le kill sur Shox. Ben, en fait, ils sont 2v3 overall. Mais sur le BPB, s'ils prennent et qu'ils plantent la bombe, c'est plus du tout le même round. Ils peuvent jouer clairement le 2v3. Et vous savez qu'à ce niveau-là, ça peut vraiment, 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 vraiment tartiner. Ça peut vraiment aller très vite. Et là, ils veulent dézoner à la mollo ici. Ils veulent dézoner à la mollo ici. Ils ont voulu smoker ici. Ouais, ils ont voulu faire le truc carré et tout. Et non. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a Ziwoo tout seul en A. Ouh, c'est le bon call par contre pour les terreaux. Ah non, ils respectent. Regardez, ils respectent. Ils ont trop peur de la smoke, c'est un truc de ouf. Ils ont trop peur de la smoke. Ces petites putes là, regardez-les-moi. Vous êtes des putes! Regardez-les. Vous avez peur d'une smoke là. Bande de merde. Bon, c'est normal, frérot. Ils ont essayé de la cross 7 fois. Les 7 fois, ils se sont fait tartiner. Ah, ils y sont allés. En slow. Ouais, mais vous voyez, c'est de l'écho quoi. Petite mollo, Ziwoo, il va se smoker. Voilà, il se smoke. Ouf, et là, ça fait peur. Petit flash pick en plus. Derrière, il y a de la réaction. Il n'y a pas de la réaction. Ok, Ziwoo a lâché. Il s'est repositionné. Derrière, il y a de la réaction ou pas middle? Non, on est deux middle. On veut bloquer parce que Mizuta est caché. Hein, comme vous pouvez le voir, il est caché derrière le muret. Et Shox prend la première ligne ici comme ça. Kyojin, il est en retake. Hein, BFX, comme d'hab. Shox qui va apporter un peu de surnom peut-être à Kyojin pour reprendre de l'info. Voilà, vas-y, avance-toi. Tac, la flash va partir. 3, 2, 1, ça part. Ça part, blanc, la flash part, hop, y'a rien, ok, je vais réorganiser en A, Mizuta, ok, je vais réorganiser là, Kyojin, je vais réorganiser là, ça déclenche, on est en retake. Un peu trop tard, mais on va assumer la retake à fond, Shox qui fait un kill, s'il faisait ça une demi-seconde, une-deux secondes avant, c'est un carnage, Complexity ne plante même pas la bombe, je pense, mais encore une fois, vous voyez, hein, gestion de timing, tout ça, la lecture, on voit bien où est la faiblesse, ce qu'on a besoin de reprendre comme information, et tout ce qu'il faut. Oui. Allez, c'est bon, la retake est amorcée, on y va, oh là 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 là, BlameF, il a Chocax.
Allez, merci, au revoir. 4 armes de save côté CT. Retake quasi parfaite. Magnifique. Belle gestion encore une fois. Et comprenez encore une fois que depuis le début du round, on avait le A. Là, on l'a perdu. Hein, parce que, entre guillemets, il y avait Zibou qui lâche. Donc, on n'a plus le A. On a quand même le mid et on n'a pas d'info en B. Donc, soit on push le mid, soit on push le B. Et eux, ils ont choisi de pusher le B. J'aurais préféré pusher le mid, personnellement, parce que bon, t'es deux. Quand t'es deux ici, vaut mieux pusher le B, le mid à deux, que pusher le B. Mais ça aurait été pareil. Mais bon, en général, là, il reste 30 secondes, vaut mieux pusher le B comme ça. Enfin, tu prends une petite info flash pick B, tu sais qu'il n'y a rien B, c'est du A, quoi. 8-0, le match fait très très mal à Complexity. En tout cas, psychologiquement, je pense que là, ils doivent être pas très loin du fond de la cuvette. Pas très très loin du fond de la cuvette. Parce que là, clairement, ça fait peur. Ils ont peur des smokes, ils respectent à fond, ils sont disciplinés, trop rigoureux. Et c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. C'est qu'il y a des moments où il faut être un animal. Il y a des moments où il faut manquer de respect. Il y a des moments où il faut accélérer très vite, il faut jouer le duel à fond. Parce que CS, c'est tactique, mais c'est aussi une bataille d'ego, c'est une bataille de duel. Et là, pour le coup, ils sont tenus en respect dans tous les sens, quoi. Ah, voilà, là, ils veulent gogoliser. Voilà, c'est bon, ils ont compris. Mais la flash, voilà, la flash fait peur et on y va. Et on retourne. Apex, voilà, merci, au revoir. Tu t'es fait carbo. Mais c'est BlameF qui bait, là. Hein. Là, je vous le dis, c'est BlameF qui bait. C'est-à-dire que son pote assume le cross. Son pote a assumé le cross. Je ne sais pas qui c'est. Natos Affix, bah, c'est normal, hein, c'est Natos Affix, c'est le last. Donc lui, voilà. Lui, il assume le cross. Là, regardez BlameF. Voilà, c'est incroyable. Oh, ça a peur, ça a peur. BlameF, il a fait déjà perdre deux de ses potes. Pour moi, BlameF, là, il fait trop, il bait un peu. C'est-à-dire que pour moi, il est là, anti-flash, il doit assumer jusqu'au bout et essayer d'aller sandbag. Pour moi, il doit essayer d'assumer jusqu'au bout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Shock c'est mort middle ou B, je sais pas. Oh, petit flash pick. Juste au stuff, ils se font boire. Juste des stuff, ils se font boire. Juste au stuff. Juste à la gestion du rythme de la partie. Des espaces, du stuff, juste là-dessus, ils sont bord de ouf. Et pour moi, BlameF, là, il bait un peu trop, quoi. Après, c'est dans son ADN, on le connaît. Mais clairement, s'ils avaient un animal un peu plus débile, un peu plus, tu vois, un peu moins, entre guillemets, discipliné, il y a moyen que... Pas qu'ils perdent, mais qu'ils se fassent un peu un peu tirer les oreilles, quoi. Super mood, hein, encore une fois, de la part de Vita. Voilà, on est là, flash peak... Ça nous permet d'économiser, tu vois, le fait d'avoir un AWAP comme ça avec Shock, ça nous permet de faire regarder le stuff, Kyojin. Donc 1 minute 40, 1 minute 38, 1 minute 37, 1 minute 35, 1 minute 32, full stuff de chaque côté. Voilà, 1 30, on n'a pas dépensé de smoke, on n'a pas dépensé de molo, on n'a pas dépensé de flash. Que en A par contre, hein, voilà, en A par contre, voilà, ça dépense, il n'y a aucun souci. Donc là, on fait une reprise en plus côté B, on envoie de la molo, de la flash et tout. Kyojin qui prend retake et tout. Pff, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Masterclass de Gabe. Là, pour tous ceux qui. Les équipes, là, semi-pro, pro, je sais pas, des gens qui veulent percer, pas percer. Là, faut regarder ça. Faut télécharger cette démo. Faut voir la gestion du stuff. Comprendre les rythmes. Comprendre comment tenir son B des fois. Être un peu passif, un peu agressif. Qu'est-ce que c'est que garder son stuff, pas garder son stuff. Ne pas le dépenser trop rapidement. Le dépenser des fois très rapidement. C'est exceptionnel. BlameF qui arrive toujours à faire des kills sans impact. C'est impressionnant à quel point ce mec il arrive à scorer en ne faisant jamais gagner son équipe. BlameF, bah oui, top scoreboard comme d'habitude. Natos Affix, 1-10, mais attention, moi je l'ai vu cross des smokes et tout, c'est toujours lui la pute qui passe devant. Donc 10-0, super match scolaire, académique, on apprend beaucoup, quoi. Je sais ces choses-là. Mais là, ça a bossé, quoi. Là, après le player break et tout, on voit que ça a un peu rebossé côté Vita. Hein, ils ont retravaillé leurs fondamentaux. C'est basique, mais c'est comme ça aussi. Mais c'est basique, mais avec l'intelligence qu'ils ont, l'expérience qu'ils ont, toi, quand tu vas smoker à une 40, eux, ils vont smoker à une 20. Ils vont essayer de gagner, justement, beaucoup de temps sur leur stuff. Donc là, vous voyez, on dépense. Là, on n'a pas peur de dépenser parce qu'on est faible. Hein. Vous voyez bien que Zibou, il est tout seul et qu'on est 4 côté A. Ok, JKS qui prend un gros one-tap. Kyojin qui fait du refrack. On a Shock, c'est Apex déjà en filet de sécurité. Donc Kyojin, il peut rejouer. Son but, c'est clairement de mourir. Mais au final, Kyojin, il fait le taf et Shock, c'est après il fait ses lignes et ses tags tout seul dans le mid. Merci, au revoir. Dans 3 secondes, on va comprendre que c'est mid qui voilà. Regardez, tout, on l'attend. Voilà, et en plus, on l'attend. Merci, au revoir. C'est fini. Il n'y a pas de match.
Il n'y a aucun débat. Mais regardez, Vitality, quand il développe ce niveau de jeu, quand il développe ce niveau de jeu-là, Vitality, c'est la meilleure équipe du monde, hein, sans aucune contestation. Mais toutes les équipes du top 1 mondial, en fait, sont capables de faire ça. Le problème, c'est de faire ça au moment X. Il faut être là, présent. Le truc, c'est que là, ça joue contre Complexity. Donc, je sais pas pourquoi, ils sont trop disciplinés, trop rigoureux. Mais c'est le jeu à la danoise. C'est le jeu à la danoise. Peut-être que si ça jouait des Russes ou je sais pas quoi, ça manquerait de respect à des smokes. Donc voilà, petite mollo pour ceux qui connaissent pas. Hop, ici, avec la smoke de Shox, avec une smoke, une mollo, tac, ça prend la zone. Parce que depuis tout à l'heure, ils le prennent un peu avec des flashs. Derrière, ça veut contester au niveau du A. Ziwu a pushé le jaune. Voilà, Ziwu a pushé le jaune et a fait un kill. Comment il a fait le kill? Et sur qui? Sur BlameF. Voilà, pourquoi? Parce que BlameF, peut-être que là, il a essayé de push. Et derrière, on bloque, on bloque, on bloque, on bloque, on bloque. Donc vous voyez que c'est pas du jeu spectaculaire. Voilà, moi, en plus, Ziwu, il tartine un peu encore. On est encore toujours en 4v3. Et encore, regardez le stuff. Hein, regardez le stuff. Kyojin, il est Gucci. Mizuta, il est super Gucci. Apex, il lui reste une petite flash. Il reste une minute. Et Shox, il lui reste une petite mollo. Donc là, dans quelques temps, on va voir un petit peu de la gestion. Apex, il dit ah, les gars, peut-être il va assumer la retake. Il va reculer. On a le duo qui arrive au niveau du mid. On est 4v3 tranquillement. Ouais, c'est les deux qui vont. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Peut-être le premier round de Complexity. Il faut comprendre que moi, cette map, je ne l'aime pas. Voilà. Oh là là, Kyojin qui va. Hein. Kyojin, il a pas peur. Hein. Kyojin, il est dans sa game. Kyojin est dans sa game. Oh, vas-y, qu'on leur. On y va en plus. Donc, moi, je vais vous expliquer un truc. Déjà, au niveau de la carte, c'est très difficile pour moi d'analyser. Pour vous, en fait. Pour vous faire comprendre. Parce que je sais pas si. Voilà, les superpositions, comme je vous l'ai dit, c'est très compliqué à regarder. Et surtout, Vertigo. C'est une map qui est ennuyante à regarder jouer, je pense, pour un spectateur, pour un viewer, pour un analyste, pour n'importe qui. Je pense qu'il y a très peu de spectacles sur cette carte. Comme vous pouvez voir, c'est toujours pareil. C'est bloquer la rampe qui est extrêmement, extrêmement importante. Parce que c'est comme la banane un peu sur Inferno, tu vois, c'est que de la gestion de stuff, etc. Par contre, c'est très tactique, vous voyez voir, c'est très tactique. On peut prendre du plaisir. Moi, je prends du plaisir quand même à regarder ça parce que tactiquement, je vois qu'il y a de la pureté, je vois qu'il y a de la discipline, je vois qu'il y a beaucoup de rigueur, qu'il y a beaucoup de détails qui ne sont pas laissés au hasard et tout. Donc j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup cet aspect-là du jeu. Mais je ne peux pas regarder moi 10 matchs sur Vertigo, c'est impossible. De temps en temps, tu as besoin d'une petite D2, tu as besoin d'une petite Mirage, parce que D2, Mirage et tout, c'est la bagarre, c'est beaucoup de skills individuels, c'est beaucoup de dégâts, c'est des longues lignes, c'est des grandes lignes. Overpass, c'est un gros... C'est comment dire, c'est un gros équilibre Overpass. C'est une map qui est très tactique, mais qui a beaucoup d'espace également, qui permet des gros exploits individuels, des maps de sniper, etc. Donc Cash aussi qui me manque pas mal, Kubble qui l'était également. Mais voilà, moi, regardez du Nuke. Voilà, c'est bon, ça a contesté un petit peu. Désolé, j'étais en roue libre. Parce que là, on est hors, on est totalement, ouais, bon. Là, on perd ce round. Voilà, ça va reprendre Gogol, ça va essayer de faire des super-héros. Si on y arrive, c'est incroyable. Je pense pas là. Ouais, faut être puni là, faut être puni. Ok, voilà, ouais, voilà, c'est bon, on est puni. Là, c'est pas un mauvais choix tactique, mais c'est juste qu'on n'est pas là. Voilà, il y avait personne, il y avait que Ziwu qui était tout seul et le but c'était, je sais pas, de défendre 2B, 2 mid. Et au final, ils ont accéléré. Donc, entre guillemets, voilà, on va en A, ils sont B, le round est passé. Il y a des maps que je déteste regarder jouer, comme Nuke par exemple, très moche à regarder parce qu'il y a mur de smoke XT. Et c'est tout quoi, tactiquement c'est que ça, c'est très pauvre au niveau du spectacle. Un peu comme Vertigo quoi, un peu comme Vertigo. Kyojin nous fait un gros match, il est en 25, mais incroyable. Gestion d'Apex, 12-4-4, mais gestion d'Apex au niveau de... Ouais, regardez les dégâts, grenades, les flashs et tout, pff, Apex il est pour moi élément essentiel. Ziwu fait son taf également, ça accélère, ouais, ouais. Voyez, là c'est les deux rounds du bas les couilles là. Là, c'est les deux rounds de ça y est, venons, on leur casse le cul en A et ça passe. Et ça passe. Vous voyez le reverse? Vous voyez, c'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, ils sont tenus en respect. Complexity joue beaucoup trop individuellement. Voilà, maintenant on a l'info. Voilà, on va planter la bombe tranquillement. Complexity joue beaucoup trop discipliné, trop rigoureux, trop académique, trop scolaire, trop dans le respect, trop dans ce genre de choses. Depuis tout à l'heure. Là, ça fait deux rounds. Ils disent, ah, vas-y les gars, on les encule en A. Vas-y, c'est bon, go leur casser le cul. Et vous voyez bien qu'ils ont du répondant. Ils ont du répondant. S'ils avaient joué un peu plus comme ça depuis le début, le match aurait été beaucoup plus disputé, je pense. Mais dans tous les cas, Vitality nous a fait une grande masterclass sur son site de défense, je trouve. En plus, Shox, s'il se retrouve en 1v1, c'est une catastrophe pour Complexity. Mais ouais, JKS, il a encore le temps. Oh la smoke. Il l'a? Non, c'est dramatique s'il l'a.
Ah il l'a pas. Bon c'est mérité quand même pour Complexity. 12-2 masterclass. Donc comme je le disais, regardez un petit peu. Apex 335 de dégâts divers. Donc ça c'est 335, c'est des dégâts grenades et molotov. Donc on voit bien que sa gestion du stuff elle est vraiment très très bonne. On voit qu'il a 16 flash assist et Ziwu aussi. Parce qu'il est clairement un support en A pour la rampe, etc. Donc il flash beaucoup, il contre-flash beaucoup, etc. Kyojin et Mizuta, pas de flash. Parce qu'ils jettent pas de grenades, ils s'en battent les couilles. Eux, c'est les headshots. Donc là, on retourne en A pour essayer de bloquer. Natos Affix va être tenu en respect. BlameF également. Voilà, hop, merci, au revoir. Kyojin est déposé au niveau du B. On a délaissé le mid. On le commence à le sentir. Hein. Vous voyez, un peu plus de liberté. Hein. Regardez, il y a un peu plus de liberté. Ils y vont. Ils y vont. Hein. Regardez, ils y vont. Il y a Mizuta qui est en coup d'épaule sur le mid. Hein, on va se mettre sur Mizuta. Voilà. Il en a, hop, il a l'info. Ok, Shox va le savoir aussi. Qu'est-ce qui va se passer avec Shox? Regardez, Shox. Crossfire, 3-2-1. Et ses tags, il y a un refrag. Ça va être dur. À la web, ça va être dur. Et il le sait. C'est bon, on commence à prendre ses libertés. Là, ça va créer du timing pour Apex et tout, là. Voilà. Ouais, en plus... Et là, on va aller en A. Voilà, parce que Zivo est tout seul. Donc là, maintenant, les deux du mid, ils ont fait le taf. Ils vont se repositionner et ils vont partir en A. Voilà, ils vont prendre l'échelle. Voilà, ils vont prendre l'échelle et ils vont repartir en A. Par là. Voilà, hop, merci, au revoir. Les trois derniers rounds de Complexity qu'ils mettent, ils le mettent parce qu'ils les méritent. Et vous voyez que ça va vite. Ça va très 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 vite. À 12-0, à 12-0 ils se réveillent. S'ils se réveillent à 10-0, ça fait 10-5 potentiellement. 10-5, tu changes de side, c'est pas la même chose. Parce que là on voit clairement que t'as EC-Tag et JKS qui prennent leur mid en toute liberté. En A ça a bien attendu et tout le bordel. Donc c'est un gros side quand même de la part de Vitality. Hein. Grosse défense de la part de Vitality à mettre clairement dans toutes les écoles de CSA. Là c'est un gros side. Que ce soit sur le B, que ce soit sur le A, que ce soit en termes de skill individuel, il y a eu du clutch et tout, ça répondait présent. Il y a beaucoup de punitions, attention hein. Il n'y a pas eu de fail aussi côté Vitality, donc c'est ce qui fait aussi qu'ils sont là au moment présent. Et derrière, gestion du stuff exceptionnel, gestion des timings exceptionnel, un call magique à 4-0 du changement de rythme sur l'agression et tout, avec le fake de leur routine, masterclass. Le side est masterclass de la part de Vitality. Sans aucune contestation possible. Maintenant, on a quoi au niveau des scores? On va essayer de regarder un petit peu. On a clairement Kyojin qui est au-dessus. On voit qu'au niveau des duels, il y est, hein, il répond présent. Mizuta, il fait son taf dans le mid. Hein, il est pas très sollicité, donc c'est normal qu'il score pas. Shox, c'est pareil, il fait ses crotas. Et les deux plus gros, c'est clairement Zibou et on va voir l'ADR. Ah ouais, l'ADR, regardez. Hein. Regardez l'ADR, les gars, je vous en supplie. Hein. Que vous compreniez un petit peu ce que c'est important. 22 kills, 117 d'ADR. Apex, il a plus d'ADR que Kyojin, alors qu'il a deux fois moins de kills. Ça veut dire que Kyojin, il finissait les rounds. Il tuait des mecs low HP à la fin. Donc il fait 22 kills, on croit que le mec, il a carré la game. Alors que pour moi, là, Apex, il fait une masterclass de match. Gestion du stuff exceptionnel, flash assist de fou, il gagne du temps. Il met beaucoup de dégâts, donc ça veut dire qu'il gagne des duels ou alors il en perd, mais il met 2-3 mecs low HP tout le temps, tous les rounds, et les 3 low HP, c'est ses potes qui les finissent. Attention, mettre des mecs low HP dans tous les cas, si tu mets ton équipe en 3v5, d'accord, mais qu'il y a 5 mecs low HP en face, ils ont quand même la supériorité numérique, et dans ce jeu, un HP ou pas un HP, tu peux mettre un headshot à tout moment. Donc il faut comprendre, et surtout à haut niveau, donc il faut comprendre aussi qu'il faut quand même gagner les duels, c'est pas... Mais regardez les statistiques, Apex... exceptionnel. Alors il a plus d'ADR que le Kyojin, et pareil pour Ziwu, 100 d'ADR, 117 d'ADR. Donc l'ADR, les gars, c'est l'average damage par round. Ça veut dire que c'est la moyenne des dégâts qu'ils font chaque round. Donc ça veut dire que là il fait 100 de dégâts par round, donc il a une moyenne de 1 kill par round, la plus d'un kill par round, et la plus d'un kill par round aussi. C'est normal, il y a eu 15 rounds, 22 kills, donc c'est plus de 1. Logique. Mais c'est pour vous expliquer aussi cet aspect-là, que vous négligez trop souvent l'impact que peut avoir quelqu'un. Et Apex, là pour le coup, il faut quand même s'incliner sur le fait que il lead, sa gestion du A est très très bonne, très mobile. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il nous propose le petit Apex. Ok, on a un pistolet. Nous on prend la rampe, hein. Vous voyez que le respect il est là. On va en contre-temps middle. On va aller en contre-temps middle. Non, c'est pas mid, c'est le B ça. Oh là là. Avec la bombe, oh mon dieu, ils nous font une Zizou de 98.
Il nous faut une Zizou 90. Bon, ça va pas passer. Ça va pas passer. 5v3, Mizuta va se repositionner. Merci, au revoir. Retake land. C'est parti. Zizou qui est obligé de prendre de l'espace. Ah, il a vu quelqu'un. Ça y est, il a vu. Je crois qu'il a été vu aussi. Oh, le petit poc. On aime bien. Allez, fais-en deux, fais-en trois. Non, dommage. Apex qui en fait un, il le poke le deuxième, Mizuta qui va arriver en contre-temps en plus, magnifique, magnifique. Ils le mettent, 3v5. On a une smoke, on a un kit côté poison, ça fait peur. Hein. Oublions pas qu'on a un kit, il va essayer de le ramasser. Voilà, c'est son truc, c'est ninja ou rien. Ok, c'est bon, la gestion est bonne. Non. Non. Oui. Oh. C'était chaud, c'était chaud. Je parlais pas de ninja, pas de ninja. 13-3 exceptionnel. Le round qui passe, c'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est des chèvres, Complexity. C'est des grosses chèvres. C'est inadmissible. Gros round, encore une fois, de la part d'Apex et Ziou. Gros taf des deux. Gros taf. Prendre de l'espace, jouer les duels. Parce que là, c'est 3v5, faut faire de l'exploit individuel. Surtout qu'ils ont de la smoke du kit. Ça veut dire que, pour là là, va spammer un Glock... Va spammer ton Glock dans une smoke et fais des kills, toi. Quand ça diffuse en pistole, c'est très difficile. Regardez la physionomie, hein. On met de la smoke, mais voilà, on s'en bat les couilles, hein. Sa grenade, lui, il est là au niveau du jaune. On garde en respect. On garde en respect, on respecte. On respecte. Shox, qu'est-ce qu'il fait, Shox? Ok. Oh là 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 là, Shox. Vous voyez le manque de respect? Shox, une 27, une smoke, s'en bat les couilles, il la conteste. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence? Et derrière Shox, en plus, il colle. C'est lui qui colle. Revenez B, je les ai entendus, Rota. Ces deux zouaves. Eux, ils font des paris. Ils ont peur du A maintenant. Parce que JKS, il est en PLS depuis tout à l'heure, qu'ils n'ont pas regardé leur smoke. Vous voyez, il n'y a pas de mec ici, qui fight les duels depuis tout à l'heure ici, comme nous, c'était le cas chez Vitality. Et là, regardez Apex en plus, il va manger l'espace en plus dans leur cube. C'est n'importe quoi. Mizuta, maintenant, on lui donne l'information. On lui dit, ah, frérot, ils sont tous chez toi, ne meurs jamais. Apex arrive au spawn dans 3-2-1, il y a un petit duel. Voilà, il en fait un. Derrière. Il va se moquer ici? Non. Kyojin qui repart. Mizuta qui est là. Il va y avoir un échange. Oh. Catastrophe. Complexity, catastrophe. Ils ont bu de l'alcool avant de jouer la partie là. Ils ont bu grave de l'alcool. Ils ont bu de l'alcool. Ah, ça va save et tout. Oh là là, quelle tristesse. Qu'est-ce qu'on a peur chez Complexity? Sentez la peur. En regardant juste les mouvements sur la carte, vous sentez la peur. Vous sentez le caca dans le slip, la pression. Vous la sentez. C'est pas normal. Il y a 13-3, t'as rien à perdre. Faut finir le match, monsieur. Donc là, maintenant, on va 14-3. On a... Foire. Tellement d'avance. Et en plus, dans la physionomie de ce qui se passe un petit peu depuis tout à l'heure, on est quand même au-dessus psychologiquement, je trouve. Pause. Technical pause. Ouais, ils essayent de nous sortir des excuses là, les animaux là. Pas de technical, frère. Joue là. Joue là. Shox. Smoke. Ah oui, c'est lui-même qui smoke carrément. Carrément. Oh, la grenade, elle fait mal. La grenade moins 40, elle est belle. Mizuta. Regardez le manque de respect. Il se chie dessus. Bon, après, ils ont des MP9. Ils vont pas faire les voyous avec des MP9 ici quand même. Mais bon. On voit l'ADN quoi. Hein. Ah, voilà. Hein. Voilà, hop, ça dézone à la mollo. Blablabli. Une 30. Voilà, hop, petit flash pick. Ça lui tire dessus, il s'est paré. Il s'est fait manger un orteil. On y va, hein. Ouais, la différence. Kyojin qui garde le mid en étant passif. Shox qui garde son B. On a des échanges de kills ici. Apex qui garde le jaune. Deux qui travaillent. Pendant ce temps-là, Kyojin, il va reprendre la bombe et se repositionner avec eux au niveau de la rampe. Shox également. On va juste finir en A. Merci, au revoir. On est 4v3. Toujours. Petit échange de kills. On a Mizuta qui est mort à la grenade. Mais tranquille. Tranquille. Côté CT, on peut pas faire grand chose à part se regrouper. Ouf, oh, et c'est ta qui fait un gros double kill là par contre. C'est interdit. Oh non. Shox, il va arriver en contre-temps, mais. Oh la DK. Mais j'en peux plus, moi. Il se passe des vrais dingueries, il se passe des vrais dingueries. 2-2, 2-2, 2-2, 2-2, 2-2, 2-2, JKS qui a pushé son B, je crois. Ouais, c'est le B, ça. Il est en dessous du B, vous voyez, il est pas dans le mid, là. Vous voyez, il est en dessous du B, et là, il arrive au niveau de la rampe. Ouais, ça va être dur. Donc là, Poison, il faut juste qu'il gagne du temps. Parce que JKS, il va gagner le round.
Ah, j'ai cassé quel round en 3 secondes. 1, 2, oh non. Shox, il fait un gros kill sa mère. Oh, Shox, Jésus, Marie, Joseph, Mohamed, Bouddha. Non, c'est fini, c'est fini. Ils sont dans leur cerveau là. Non, 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 c'est fini. C'est interdit ce qui m'échoque là. C'est interdit, c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit. C'est interdit d'être aussi fort. C'est interdit, c'est interdit. C'est waouh. Tudin qui met une petite HE dans le mid pour essayer de contrôle tranquille. Voilà, on a le temps. Hop, petite HE, on wall, en droit. Ah, Shox, il a découpé hein, ce round. Après, on était 4v3. Hein. On aurait dû le mettre plus facilement. Mais derrière, même quand, entre guillemets, Complexity revient un peu sortir la tête de l'eau, t'as Shox qui vient, qui coupe encore les vivres, frère. Et ça dézone, ça dézone, ça dézone. Et on cross. Voilà, hop, il a été vu. Il cross. Non, il respecte, il respecte, il respecte. Shox, un peu trop gourmand, qui allait en B se faire défoncer par JKS. On respecte côté Vita, on respecte. Ah, petite flash, on y va. 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, la mollo qui sert strictement à rien parce que les mecs sont passés. Voilà, une seconde. Ah, regardez, c'est ça la différence. Elle est là la différence. Et c'est Tag qui fait un kill. Elle est là la différence. Lui, il a plus de stuff. 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 Ils ont plus de stuff. Il reste 50 secondes de jeu. BlameF qui est obligé d'y aller au skill, vous voyez. Ils sont obligés d'y aller au skill individuel. Quoi. Ils sont obligés d'essayer de rattraper. Apex, si tu me mets ce round, frère. Si Apex il me met ce round, je me fais tatouer sur les fesses. Non, c'est bon. Il a pas mis. Mais je me serais fait tatouer sur ses fesses. Apex, pète-moi le cul. Vous voyez la différence? À 50 secondes, ils ont plus de stuff Complexity parce qu'ils sont obligés de dépenser très tôt. Et Vitality, entre guillemets, il la montre, elle est pour eux. Donc, ils peuvent jouer patiemment. Ils peuvent attendre, entre guillemets, que les smokes elles fade, que les molos elles fade, que tout ça, ça fade. En plus, l'argent, on n'est pas top côté Complexity. Hein, voilà, on a de la smoke, de la flash, de la mollo, pas sur tout le monde. Donc, difficile. Pourquoi mettre une mollo quand ton pote a une visu? Vous voyez la différence? Il y a un manque de com. Peut-être qu'ils ont fait ça, entre guillemets, en mode téléguidé, tu vois. Genre il a appris sa gestion de stuff et il l'a fait et puis c'est tout. Là il y a ton pote, il est là, il décale dans la smoke, il dit vas-y, il n'y a rien. Garde ta mollo, tu vois, tu peux la garder, tu peux l'économiser. Là lui non, il a mis sa mollo. Pendant ce temps, on est en train de se regrouper en B. Allez, JKS, il va passer un sale quart d'heure. Dans 3, 2, 1, ça déclenche. Petite smoke. Un sale quart d'heure? Mais j'ai menti. Je suis un menteur. S'ils mettent le 2v5, je me fais tatouer. Faites-moi le cul Vitality dans mon trou de balle. Moi je vous le dis. Shox? Non, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. 15 à 5. 15 à 5. Voilà, côté Vita, honnêtement, on n'essaie pas trop de se casser la tête. On essaie de jouer lentement, de se regrouper, jouer basique. Il y a un round qui va passer. Tu vois, il y a un round qui va passer. Ça sert à rien d'aller essayer de chercher des trucs. Là, tu joues calme, tu essaies un petit peu de les prendre à l'usure. Là, maintenant, surtout qu'ils ont de l'argent, donc tous les rounds, ils auront de l'argent, Complexity. Donc là, le but, c'est de faire une écho côté Vita. Comme ça, on est bien pour le prochain round. Et on va essayer de... Tranquille. La petite HE qui va faire aucun dégât, mais elle est jolie. Si quelqu'un veut un repère, faut le récupérer. Qu'est-ce qui se passe? On est tenu en respect dans la smoke au niveau de la rampe. On respecte, on la respecte jusqu'au bout. C'est parfait, là, ce qu'est en train de nous proposer, les amis, là. Voilà, on a une visu, on y va. BlameF qui fait 3 kills contre de l'écho. BlameF il va dire ouais, mais chez moi je suis tout seul à fraquer les frères. On les connaît ce genre d'être humain là, on les connaît. Les tabeurs fous, toutes les 3 secondes ils sont comme ça. Voilà, mais voilà le violet là, il est tout en bas là, le violet. Si Shox il met un one tap les gars. Ah. J'allais dire que j'offrais des Dragon Lore à tout le monde, mais non, c'est bon. Petit relâchement. Ouais, voilà, tu vois, faut...
Là, c'est là où faut pas trop carburer non plus le cerveau, tu vois, faut y aller calmement, chaque round, les prendre petit à petit, essayer d'analyser ce qu'ils font pas, qu'est-ce qu'on peut aller faire, parce que la pression, elle est côté complexity, hein, ça veut dire que tu pètes un peu sur la map, tu lâches un petit comme ça en B, le mec il crache mollo, smoke, flash, il appelle tout le monde, c'est B, c'est B, c'est B, c'est B, même à haut niveau, hein, faut pas nous faire croire le contraire, hein. C'est 15 à 6 frérot, tu prends pas le risque, entre guillemets, d'économiser ton stuff, et c'est là où tu vois les gros joueurs et tout, tu vois. Là, 1.40, et regardez, je comprends pas, 1.40, ça mollo, c'est... Les mecs ont la visu, frère, et ils crossent comme des animaux, ils ont tout lâché leur stuff, c'est une catastrophe. Lui, il est seul dans la smoke, il va se faire boire, regardez-les, c'est des singes, il y a 5 singes sur le serveur. Là, maintenant, on sait qu'ils sont énormément, donc je crois que s'il reprend le cul au cas où, normal, ouais, il est venu apporter du surnombre, et après, il reprend sa coupe. Donc ça, c'est très très bon de la part de Shox. Et on est 4 ici maintenant, on les laisse, voilà on les laisse, 1 minute 10, plus de stuff, la dernière smoke vient de popper, voilà et là on y va ensemble, non on y va pas ensemble, tranquille. La dernière smoke vient de popper côté Vitality et côté Complexity, ils l'ont mise là, tranquille, on est toujours 4v4, tranquille. Voilà, Blame Ave vont devoir faire un move, il reste 50 secondes, surtout que t'as Shox, il est où Shox? Shox il est là, il garde je sais pas quoi, ouais il garde le cul, tranquille. Tranquille, on attend, surtout que nous, on nous reste 3 smokes, il nous reste la flash, on peut popper sur la flash. Voilà, donc là, hop, tac, petit fake, tranquillement, c'est juste un petit call, tu vois, tranquille. Pouf, on y va pas, on y va, on y va pas. On y va, hop, on a donné les infos. Blame F, merci, au revoir, on se trade. Merci, 2v1, ciao, 16-6, leçon de Counter-Strike. Gestion de stuff, parfaite, gestion du rythme, parfait. Des beaux clutch, il y a eu des exploits individuels, donc on a vu quand même 2-3 rounds de spectacle. Mais bon, c'est pas du mirage où tu vois tous les rounds des dingueries quand même. JKS, il a plus de smoke, pour... c'est n'importe quoi. On gagne le temps et c'est fini. Voilà, on se cache. Petite ligne, on se regroupe même à 2 au niveau du jaune. 3, 2, 1, ça va décaler. Petit spray. 16-6. Facile. Facile, 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 facile. Si tu en veux plus, si t'en veux plus... Abonne-toi mon ami, on se voit très bientôt. Vive Vitality, vive CS, vive Malek CSGO aussi quand même.